Le métier de préparation esthétique automobile, moi je fais ça depuis 4 ans. Ici à Peugeot, véhicule neuf, je le fais à peu près depuis un an et demi. Avant j'étais au véhicule occasion, donc, qui est entre guillemets ma spécialité. Hein, j'ai été formé pour ça. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation pour rentrer dans ce métier ? J'ai toujours baigné là-dedans. Moi j'ai fait un bac STI, option microtechnique, génie mécanique. Et du coup, après, je suis sorti du cursus scolaire. J'ai été travailler à Pontivy, donc dans une entreprise de mécanique de précision. Et à la suite de ça, j'ai créé mon entreprise de nettoyage automobile. Et je suis basculé ici parce que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il y a comme contraintes ? Les contraintes, le froid. L'hiver, les véhicules sèchent mal. Il faut être rapide. Parce qu'on a toujours un planning à respecter. On est toujours dans le jus, quoi. Les qualités nécessaires. Alors je pense qu'il faut être minutieux. Il faut être très minutieux pour faire ce métier-là. Minutieux et consciencieux. Et avoir cette vision du client, quoi. Se mettre à la place du client, c'est très important. Sinon, vous mettez combien de temps à préparer une voiture ? Alors en général, un véhicule neuf, pour le préparer, je vais mettre 1h30. Donc que ce soit la préparation du véhicule jusqu'au lavage, séchage. Donc ça va mettre à peu près 1h30, au grand maximum 2h. Et je pense pas qu'il faut vraiment avoir de diplôme, hein. C'est vraiment... comment expliquer ? Vous allez être jugé sur le travail que vous faites, quoi. Il faut savoir le faire, ça s'apprend, hein. Ça s'apprend. Hein. Mais... c'est sûr que il faut déjà, je pense, avoir des aptitudes, comme je vous dis, être minutieux, s'intéresser à ça. Il faut s'intéresser à l'automobile, forcément. Et il y a toujours des techniques qui évoluent de semaine en semaine. Hein. On apprend, ça arrive que chaque semaine j'apprends quelque chose, quoi. Parce que je cherche à apprendre le truc, je m'intéresse à tout, donc... Forcément, tout ce qui va toucher, moi personnellement, tout ce qui va toucher la mécanique, la carrosserie, la peinture, je m'intéresse à tout, strictement à tout. Ouais. Donc forcément, j'apprends comme ça.